dans le grand Saint-Laurent, près de la pointe au père, un grand bateau enseveli sous la mer. Parti de Québec, direction l'Angleterre, dernier voyage, il n'a pas touché terre. La mer vient toujours chercher les hommes qui voudraient la dompter. Dans la nuit, parfois elle se dresse, comme le soir où elle a pris l'impresse. Début de la nuit, le brouillard est tombé, quand tout à coup la proue d'un charbonnier. Sortant de la brume, est venu le happer, moins d'un quart d'heure, le navire a sombré. La mer vient toujours chercher les hommes qui voudraient la dompter. Dans la nuit, parfois elle se dresse, comme le soir où elle a pris l'impresse. Le 28e jour de mai, plus de 1000 âmes, la mer a emporté.